Levez campé, cherchez côté 5 premières dames de Michelier, pas négliger Balsal mérité. Bâton Gaillac nous doit dans menou. Opération Boakale Matéa. Effectivement, information confirmée, Samuel c'est un individu qui perdit la ville dans le moment festivité carnaval. C'était dans le deuxième jour gras, nous voulons parler de jeudi à la côté Negaxam qui t'a suivi d'après sa famille. Il fait connaître, il vit des balles sous lui. Sortant de là, Samuel mourit avec une balle dans la tête. Il a été guettant sauvé dans le moment où il t'a cherché. Ambulance c'est sous place, famille pas de consolé et c'est madame qui t'a bail plus d'explications dans le détail. Ça. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou connecté. C'est Sophia TV 83, jeudi, content ensemble avec pour me présenter une toute dernière information. Tout dépend de qui côté, qui l'aide, qui pays ou pral tanden. Yon plaisir pour nous toujours que vous informer. Nous c'est Gorizoa, Sophia TV 83. Nous apprenons tout Rémi Amos, c'est un président bandi 400 maroso qui boit de l'eau bouche li côté le tap toke koni ak la police journée jodi a la nan bon repos et yo fait konnen présumé a te gagné yon pistolet te gagné 6 cartouches la donne et il te gagné un couteau sous li yo dit li habitué rançonner machin yo la police tap chercher le conchin fou et c'est nèg qui opéré en dans camionnette opération a continué mais ça pas empêché bandi continuer simer la troublaille dans population nous pral Fayon vireron en d'un pays ya, ou pral tande plus explication par rapport à Zak Malhonnête yo et la police tout qui pa bat ba yo décidé passer coûte que coûte et puis continuer lancer opération tornade là pour finir ak tout vagabond qui kembe pays ya en otage. Pourquoi aller sous pas pressé aller chez Zouchita information yo en détail sous Chanel Paola. Et Rémi Amos ainsi connu, qui fait un date 11 mars dans l'année 1993, membre actif, groupe gang et 400 et Maouzoa, t'a mortellement blessé dans le cadre d'échange de coups d'âme avec un agent et policier dans le quartier Bon Repos pendant la journée lundi 20 février 2023, d'après institution policière présumé et bandit ça qui te gagne dans mes lits, yon pistolet et mac et bersa, numéro syrien et falsifié et puis est muni de 6 et 14, ainsi et yon couteau pour finir et n'a et noté que et Rémi ta gagne et habitude pour le rançonner et machin propriétaire entreprise avec un chauffeur camion cap emprunté commune Quader et Bouquer. Voilà, et si vous nous avons fait tourner sur le même dossier, base 400 Maozoa, et mesdames et messieurs, nous disons que citoyen ça, qui tombe mortellement, là, et bon, c'est parce que c'est certain, regardez, si nous avons si chassé le sous-site, allez la police là, et nous voyons que justement, eh bien, c'est pas simplement Zamnan qui est au jeune, mais monsieur, il y a l'autre bagaille également. Je ne sais pas si vous avez l'islam avec vous, mais nous avons regardé l'image là. Et mesdames et messieurs, ce n'est pas décausé que les jeunes hommes citoyens ça également. Voilà, c'est l'image ça que nous avons gardé là, mesdames et messieurs. Excusez-nous si nous voyons un agent pas clair. Eh bien, c'est individu ça. Et puis, nous avons toujours dit que gang ça, bandit ça, il y a des gens dans tout pays. Ça veut dire que peu importe l'âge, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe qui nous avons gardé là, même penser, même, eh bien, soi-disant, eh bien, c'est les citoyens ça nous avons gardé là. Et techniquement, la police vide cartouche sous lui. Je nous dis, voyez ça dans l'enfer et pour nous et la police. Très bien. La police pose la patte sur certains de Exatus à Logan, alias à Gromal. La police dans la ville Lascaubas, à département central d'Haïti, a arrêté monsieur pendant semaine là. La police nationale d'Haïti a arrêté monsieur dans Lascaubas, mercredi 15 février 2023. Les gars 45 l'année sous tête les monsieur Sénègue à La Chapelle. Exatus à Logan, il a cherché monsieur de coucher fou parce que lui impliqué dans véritable. Non réseau gang qui ont certains de Mario alias Tizo Césarien c'est Sarazien a dirigé section sa, section commune sa kilimit kof avec commune Lascaubas ak Amien Balais ben pour jodi là Exatus à Logan monsieur qui placé dans garde à vue la répondre qui est sur autorité policière puisque li nan association malfaiteur et li impliqué dans diverses actions malhonnêtes que la base Mario alias Tizoli même a dirigé dans la zone sarrasien. On a toujours été sous question arrestation. La police a posé la patte sous Evans Lager pour présumer implication de kidnapping. Evans Lager qui fête 17 juin 1992.
dans cité soleil la police interpellé le 16 février 2023 dans chaîne masse après elle fin participer dans tentative enlèvement victime qui était touchée par balle t'es prend la fuite elle t'est sauvée de justesse et puis machine l'ita piloté a ravissé au talent avec les pour Kounia présumé kidnappeur l'a placé en garde à vue dans commissariat Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti posait la patte dans le département Nord-Ouest sous 5-4 trafiquants et drogue, 5 individus. Bangade non selon la salle de la police les mêmes lidi. Bon, c'est atteint de Romain Philidor, Louis Judel, Louis Manif, Francky Pierre et Joseph Robinson, Monsieur Sayo qui a gagné 25 à 30 l'année, 32 à 49 l'année sous Tétio. La police arrête un chansol, bassin bleu, commissaire qui trouvait dans le département nord-ouest, appelé d'Haïti pour trafic de drogue. Ben, individu, ça a quitté dans une machine Terios qui est pour plaque AA-494-444. La police a joué 4 paquets de substances qui semblent la cocaïne. Ben, substance ça qui est quitté, c'était positif, qui doit garder l'île. Mais c'est purement cocaïne. D'après ça, agent bureau lutte contre trafic stupéfiant, BLTS, il y a même qui était testé et question paquet SAIO. N'a dit BLTS, ça sont entités qui trouvaient la direction centrale police judiciaire des CPJ qui posait la patte à Soussek qui a présumé trafiquant SILAIO. N'a fait qu'on est pour Kounia, M. SAIO qui blasé tout dans la garde à vie après une question autorité policière et judiciaire. J'ai noté annoncé ça dans le titre journal. La trois fidèles, première église baptiste Port-au-Prince, toujours nommé ravisseur. Eh bien, ravisseur qui m'a dans pillage pour être capable de libérer otage. Entre temps, nous apprenons que l'autre fidèle congrégation bon et pour qui kidnappé mercredi passé à une semaine après Zaxila, fidèle lui a exprimé vive inquiétude par rapport avec la dégradation situation sécuritaire paysan dans le culte dimanche qui était fait hier dimanche là. L'église était presque vide, fidèle lui pas répondre présent. Pasteur a organisé une semaine prière pour implorer Dieu pour en faveur tout otage, spécialement otage qui fait partie congrégation Zaka Kidnapinio augmenté en pile dernier temps ça depuis commencement année 2023. N'a toujours été dans affaires kidnapping jeudi en là qui s'est andi monnaie courante dans société n'apprendre que individu avec gros âme dans mais qui ont pas arrivé identifié kidnappé vendredi quitté 17 février dans zone bon repos côté kidnappé une jeune demoiselle qui est Neida la douceur bandio kidnappé Neida la douceur li gagne un petit monde qui a peine gagne l'année li gagne 24 ans lui même alors Neida qui gagne 24 ans mais li gagne un petit monde qui gagne l'année bandi kidnappé vendredi 17 février 2023 bandi a demandé $200,000 pour libérer Neida la douceur selon ça on dit un proche qui fait qu'on est mais pour qu'on y a là c'est ça famille qui sous choc famille qui n'a gros problème après nouvelles kidnapping qui fait sous Neida la douceur vendredi 17 février en après-midi dans un bon repos encore n'a rappelé Neida la douceur gagne 24 l'année li a peine bon petit monde qui gagne jour l'année toujours la question Zach kidnapping moun yo pas arrivé identifié qui a opéré dans commune Tabar kidnappé dans après-midi 17 février un jeune avocat stagiaire en bas au Port-au-Prince, li relé Jerissi, si vrai, selon information yo, mais Axa fait dans le parage ambassade américaine en Haïti qui dans boulevard 15 octobre, dans la commune Tabar, mette Jerissi vrai, tapa préparé, le tabar rencontré un client, côté pour te capable de mettre plusieurs documents, yon rendez-vous qui pas respecté puisque n'est exam kidnappé juste avant de rencontrer client. Malgré diverses opérations, la police a lancé bandit armé yo, n'est pas inquiété puisque ils continuent à kidnapper des citoyens pour et puis détourner camion marchandises. Gagné commissaire gouvernement Saint-Maclan Vincent François qui mettait un mandat ralemene vini contre âge exécutif intérimaire Lian Coulon. N'a parlé de Du Carmel, merci. Après que t'es fin boudé, une invitation paquet Sema qui a été fait li. Il a dénoncé monsieur parce que il y a un lien concordé avec groupe gang non savien qui non connaît Luxon et l'a dirigé. Mais gang ça qui a théorisé population dans le département de la Tibonite. Mais Du Carmel, merci. Que nous connaît qui s'agit à l'exécutif intérimaire en courant. Mais Luxon fait connaître que le rapport qu'on a l'agent qui est concordé
amis ensemble avec lui. Bien commissaire gouvernement dit gouvernement Saint-Maclan, Vincent François t'es invité et magistrat du Carmel, merci pour le TK Vindi ça le connaît. Est-ce que vraiment que le rapport gagne ligne concordant avec Luxon Elan, mais magistrat qui était boudé invitation ça, mais puisque le boudé le commissaire gouvernement et Saint-Maclan lagué un mandat réellement mené venir des monsieur et le fait qu'on ait mandat ça lagué des monsieur depuis la date qui était 8 février 2023, le fait qu'on ait quel que soit côté la police nationale d'Haïti ta jointo ou ça, c'est Foukeli Marita Koukrab pour tel bali nan un paquet Saint-Mac pour le venir répondre question autorité judiciaire sur les affaires ZAM Europe. Alors rapport que reprochait que le gagné avec Denek armé. Nous allons venir avec information concernant ça, j'en ai annoncé dans le titre journal là, c'est concernant mais nouveau chat blindé qui bail là, autorité dans le pays Canada, au bail avec l'État haïtien. Jean Saté a annoncé par le Premier ministre pays Canada, Justin Trudeau, que pendant qu'il a participé dans le sommet, 44e sommet, communauté Caraïbe, CARICOM, chef l'État, chef gouvernement, a participé. Premier ministre Ariel Henry lui-même a participé dans le cadre d'activité, ça tout, dans la date 15 à 15, 16, non? Mais pays Canada, livoyé, hier dimanche, qui c'était 19 février 2023, trois nouveaux véhicules blindés qui pral aider la police en lui-même et Marty, question de sécurité qui est là en deux pays. Jean, nous, on connaît là, c'est une annonce à faire par un dit ambassadeur pays Canada qui accrédite en Haïti, c'est Bastien Carrière, mais lui, rentrer, question de blindé, ça rentre dans 4H. Mais total 18 blindés que la police a été placée. Alors, l'État ici, le gouvernement, t'es placé beaucoup d'autorités dans le pays Canada. Yo. C'est mais comment ça, yo, qui de temps en temps, qui a venu joindre l'État haïtien. Il y a là, il y a 3 blindés qui viennent joindre l'État haïtien, la police nationale d'Haïti précisément. Jean Dillan pour aider le maté, bataille contre question gang en Haïti. Pour première fois, le Premier ministre a réagi sous série sanctions Canada et États-Unis après. Après dernière sanction qui prend compte ancien président Jocelyn Privert, chef gouvernement, fait qu'on est sanctionné et décret une plus bonne atmosphère dans le pays pour créer sécurité et dialogue. Cependant, il fait qu'on est gouvernement pas gagné pour louer avec sanctions. Qui donc, c'est pas eux-mêmes qui soumettent l'issue par pays. Ça, nous interviewons Liba et Valerio Saint-Louis pour la Voix de l'Amérique depuis Pays-Bas. À côté de la participé dans le 4e sommet CARICOM. N'est-il pour engagement pour créer stabilité dans le pays en réalité pour capable organiser élection en côté Ariel Henry? Nous venons dans CARICOM parce que nous sommes membres CARICOM. Nous venons régler les problèmes qui lient à tout État qui est dans CARICOM. Nous devons tout pour nous parler de Haïti, de crise politique liguéen, de problèmes sécuritaires que nous avons. Et nous avons parlé de tout cela, tout avec le Premier ministre canadien qui a fait déplacement. Nous avons un long échange, nous avons dit après le travail pour améliorer l'implémentation accord là, que nous avons, pour nous mettre plus de monde dans le consensus que nous avons. Et puis nous avons travaillé ensemble pour que nous puissions avoir une meilleure sécurité. D'accord. Question sécurité, justement. Est-ce que CARICOM décide, sans demander, par exemple, aux Nations Unies, ou demander aux RL, sans demander devant CARICOM, est-ce que d'accord pour avoir une force en Haïti? Non, depuis longtemps, on a parlé avec tous les leaders CARICOM. D'ailleurs, en mois d'octobre, nous avons une réunion entre tous les chefs d'État et chefs de gouvernement de CARICOM, avec M. Trudeau, pour nous envisager l'alternative que nous gagnons pour nous réguler les problèmes sécurité. Nous continuons à parler avec Canadiens, nous continuons à parler avec CARICOM, et puis nous avons essayé de voir qui a sorti de concret qui a aidé vraiment le peuple haïtien. D'accord. M. Trudeau, il semble, et du moins ce Canada, il semble t'avouer que nous faisons élection. Élection pour bientôt en Haïti? Ah, c'est pas uniquement M. Trudeau. Nous tous, nous voulons faire élection. En particulier, le gouvernement, ça objectif, c'est pour le faire élection. C'est pour ça, là. Mais pour nous faire élection, il faut un bon climat de sécurité. D'accord, sécurité d'abord. Et pour la dernière question, les sanctions, niveau sanctions, dernière sanction qui sont là, qui réaction? Sanctions, aidez-nous. Sanctions, clairement, fait que situation un petit peu changée sur le terrain. Nous n'avons pas rien à revoir à sanctions, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui baillons, non, du tout, ces sanctions. Que vous prenez et nous pas et pas communiquer nous tout dossier moun yo. Donc nous pas gagner opinion spécifique sur sanction yo, mais globalement on sanction qui ca permettre que nous gagne meilleure atmosphère au point de vue sécurité, au point de vue dialogue entre nous, c'est un bon bagage.
D'accord. Ils ont sorti le 44e sommet, ça. Ou satisfait, qui ça a été joint en plus? Non, c'est pour moi, nous, à le chercher. Moi, c'est on vit commune. C'est une réunion de statutaire, c'est-à-dire que nous fait partie de CARICOM, nous venons, nous discuter et nous essayons de régler un certain nombre de problèmes nous avons en commun. D'accord. Mais ça, je ne peux pas ici, à Gabriel Kounia, là, pour terminer. Mais il faut rester ferme. Faut nous goûter pour que nous puissions retrouver la paix, la sécurité dans le pays, hein, et puis pour nous aller dans l'élection pour nous avoir un pays plus stable et qui aller vers le développement. Et voilà, déclaration Premier ministre haïtien, qui c'est Ariel Henry lui-même, qui a participé dans le 44e sommet, qui est sur CARICOM, chef l'État qui a gouvernement. Et CARICOM, nous t'attendons Ariel Henry, qui t'a répondu à une question qu'on prenons Valerio Saint-Louis. Ce sujet, ouais, Ariel Henry, clair, pour le dire que c'est les sections SAIO. Yo vraiment aidé yo là commencer changer dans quelques réalités que pays a connait là et Ariel Henry qui s'est vu le comme oui bon en tout était sur question ça puisque là nous prêt le venir avec Andy Justin River ancien président pays ancien sénateur et ancien ministre culte et tout c'est sénateur avec ancien président même qui est servi au bouli et nous songer ces deux derniers monde qui parmi deux derniers monde qui prend section Sayo Justin River ensemble avec Salim Soukar qui lui-même c'était ancien chef cabinet ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte Justin River qui réagit avec Andy compatriote Lio cher compatriote collaborateur à 15 ans Lio les ils comprennent que vraiment ça mettait en colère que et son déception pour yo Lio apprendre que gagnent et qualifié on dit allégation mensongère que pays Canada prend compte monde que lié avec intégrité li étonné ouais non le figurer sur liste monde qui indexé par pays Canada pour lien présumé que gagné avec gang armé Kapsimende en da pays association malicieuse ça qui mettait non en activité criminelle ça mais peu importe motivation que auteur mais tout simplement moun qui yo même mettait non là c'est une action qui est révoltant qui indigne par rapport avec qui sur ça pour le non là comme moun qui état dans question activité financer gang bay gang moyen pour commettre des en dedans pour la haïtienne pendant que le remercier avec pendant que l'exprimer partage li avec tout monde il dit que li pas jambe on fois que gagné un rapport non métier moyen concordat avec un nec armé en d'un pays mais ces réactions sérieux non qui mettait dans liste ça ben li ou trouvé que vraiment ces deux allégations mensongères par rapport avec ça reproché de Saoudi que les mêmes qui gagné rapport avec deux nec armé en d'un pays ville réputation là que le prend en pile pour construire sous des sacrifices que le fait en d'un pays pour monde que lié jeunes jeudi hein li pas croire que c'est ça que je dis en société à lui-même bien de monde ta capable babali comme résultat comme fut travail que les sacrifier pendant un pile temps pour arriver construire monde que lié dans société hein. Voilà c'est ça en grosso modo que Joseph Rivère lui-même li te vle réagir te vle voyez comme message avec Jean Dian compatriote Lio collaborateur zami famille que l'a entendu et ouais non sur liste monde qui est sanctionné qui vient faire un dit au total 15 monde dans l'ISA que pays Canada a pris sanction contre acteurs politiques et acteurs économiques dans société haïtienne qui t'a gagné les présumées implications avec de nègres armés dans société. Nous avons toujours été sous question réaction sous des séries de sanctions qui a pris contre des personnalités haïtiennes. Apporté fin de d'intervention, Premier ministre Ariel Henry qui t'a réagi, au détail des interventions tout ancien président Jocelyne Privière. Maintenant, nous parlons avec un syndicaliste Josué Mérilien. Concernant sanctions pays Canada, que les États-Unis n'ont pas contre diverses personnalités haïtiennes. José Mérilien, quoi, c'est un bon bagage. Cependant, quoi, c'est pas quelques grand monde qui y a deux preuves. Ni pas de fait, n'a pas de prix. Syndicaliste, quoi, tout sanction de preuves contre tout le monde qui est impliqué dans financer gang. Faut qu'un dossier, tout le monde qui sanctionne est transféré par un gouvernement haïtien légitime. En côté, José Mérilien. Et en dernière position, c'est nos sanctions. Sanctions que les États-Unis, Canada dit, t'as pris tout le monde qui est dans gang. T'as financé gang. Ce n'est pas un qui va sanctionner contre le monde qui a fait les gangs. Parce que nous avons ça gang qui a fait, je le dis. Mais, j'ai fait là, en compte, c'est quelques gangs qui a pris, parce que c'est une démagogie. Et secondement, la ligne qui assume comme maman gang, pas sanctionnée, les pays de monde qui a fait les gangs,
si la Ligue sanctionnée, vous avez des gens qui sont sanctionnés parce que la Ligue assume comme un mandat. Et je veux dire, il y a un. Mandat 1. Si Canada, si États-Unis, pendant démagogie, faut que sanction yo, il va être là tout le monde et faut que condition sanction faite là, li transparent pour que yo pas mettre des sous monde, yo pas mettre des mains. 2. Faut bien monde qui sans se sanctionner yo et si yo coupable, faut yo remettre dossier ça au bail et vous pouvez pas légitime qui est monté dans le pays et faut que nous ayo yo saisi yo et mettre yo bail l'état haïtien pour servir. Et voilà, toujours avec José Mérilien, qui c'est responsable UNO, qui, les mêmes tout, dénoncé ça n'est les phénomènes d'insécurité à Cap-Taïba-Da dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Et en pile, l'école n'a pas fonctionné. C'est pas seulement l'école qui n'a pas fonctionné, mais tout famille qui séparait et puis plus monde dans le chômage. D'après José Mérilien, qui m'a dit, peuple haïtien mobilisé pour changer la situation, yo, il y a vive jeudi, jeudi, en côté José Mérilien. Kidnapping, là, qu'a fait là? C'est évident. Nous voyons que bandits viennent plus arrogants. Bandits comme groupe BHTK, qui mettent contre le pays, Juliosien, a fait ça, ils voulaient. Jean, ils voulaient. Les, ils voulaient. À ta vie, moun, en ta population. La vie, moun, pas de dire rien. Encore en ta population. La fait remarquer que bandits, c'est ouvrier politique comme groupe. Les politiques américains, Canada, la France, pour faire pays à tourner, on l'a fait, faire pays à tourner, on va être chaotique, qu'on ne va pas vivre, qu'on tout obligé de quitter le pays. Et en tout cas, je nous ai fait ça là, dans le cadre de Biden. Donc nous avons un arabe sur parcours, nous avons un arabe sur le carnaval, moi, c'est pas des bagages, c'est opération couper tête, boule caille, tout assassin, tout criminel. Opération chercher André Michel, c'est le parcours carnaval, moi. Opération chercher André Michel, chercher Major Michel, chercher tout gang assassin qui a consolidé pouvoir, gang ça qu'il a. Chercher Kaye Matéli, Kaye qui construit mon mer pour 9 millions de dollars. Olivier Matéli va travailler un jour, les milliardaires. Sophia Matéli. Réginal Boulos, Mounsayo, c'est yo touye Jovenel, c'est yo te mette masse, pour yo tal massacre Jovenel Moïse. Je dis à c'est même kagoul, oui. Même kagoul, là, yo te mette pour touye Jovenel, là, c'est lui, yo mette, yo pral faire carnaval, là, oui. Abnan, il est encore, carnaval pral commencer, donc nous, t'es niko bien. Chaque haïtien, yon sekei, c'est ça, yo dou, pas négliger macha manchette, nous tout passe, nous pas ka quitter yo touye, nous, des bois croisés. Nous ne pouvons pas quitter. Marche à bâton gars avec nous, marche avec manchette nous, c'est ça ce carnaval là. Tout ça nous joue, fais légitime défense. Carnaval là, c'est manchette lié. Manchette pour nous chercher de gang assassin criminel. Nous avons couru derrière Ariel Henry. Bahamas, ça montre que y a un haïtien qui est honnête toujours. Nous demandons à chaque haïtien, comme petit carnaval, c'est un haïtien, un cercueil. C'est ça, yon dit oui. Yon haïtien, yon sekeye. C'est ce carnaval là, premier dame de Michel Bay Anéa. Yon haïtien, yon sekeye. Qui réside pour descendre champ de masse, attend que. Yon va l'assassiner. Jodi a nous dit, peuple haïtien, pas arrêter bois croisé. Gardez sous champ de masse à côté 5 premier dame de Michel. Va négliger, va lui sale mérité. Premier dame de Michel, qui est 5 sous champ de masse. Hier, tout une heure des heures du matin. Assassin, Robert Brandier Michel a débarqué sur Mars à Gros Galil, Zam nommé, à Baïti jeune garçon pour terroriser la population pour dire qu'il y a un carnaval. Qui carnaval n'est-ce pas au café? Je veux dire à André Michel comme première dame. Est-ce que les conditions, peuple haïtien réuni, côté on a insécurité, celle pour moi, février, plus que 25 personnes kidnappées dans nos pays. Docteur kidnappé, infirmière kidnappé, étudiant kidnappé, et toutes sortes de monde kidnappé. Je dis à André Michel, besoin justifier quantité de monde, il besoin kidnappé. Je dis à l'annonce grève, il annonce carnaval, carnaval là, c'est yon haïtien, yon cercueil. Je dis à, en tant que première dame, André Michel, on a crié grand goût. L'hôpital général, pas d'étoile gaz. L'hôpital général mon a mouri sous fatra. Je dis à qui carnaval que nous baille là. Comme on dit, yon haïtien, yon sekay, est-ce que yon mok pour tout moun sa yo? Je dis à titre carnaval là, premier dame André Michel dit, yon haïtien, yon sekay. André Michel bat chien ton mètre li. Donc arabe là pas dans carnaval li. Carnaval li va l'autre bagay, c'est Bois Calais.
Bois calé, gardez tout peuple là, débarquez chaque masse, pas faire violence sous frère Axel, qui cap terrorise chaque jour en la population même avant là. Pas faire violence sous malheureux malheureuse qui a vu en ghetto avant. Mais regardez, wesh. Regardez coupe gang qui fait partie des coups pouvoir. Gardez, pas négliger. Pas négliger. Bah ça a mérité. Jodi ya. Tout bandit, tout gang, qui est l'argent dans mes Carnaval ou t'en de yotu y a fait à la. Chaque bandit gen la jan en yo. Et non seulement ça, pour yon kavin justifié, pour yon wè ki figi moun yon bal kidnappé. Gade pour yon a partir de jodi a comme kidnapping ka fait. André Michel dit c'est un kidnapping nan fait l'argent. Reginald Boulosou, c'est un kidnapping nan fait l'argent. Michel Matéli, c'est un kidnapping nan fait l'argent. Jodi a c'est carnaval, yon fait pour Michel Matéli ka kidnappé moun people san de pays ya. Je dis à un petit peu haïtien, ressaisis-nous. Comme si le carnaval là, c'est yon haïtien, yon sekei. Chaque haïtien yon manchette. Chaque haïtien doit yon manchette dans mes yeux. Arabe, tenez compte des traditions nous, et carnaval là, il y a un changement de loi qui fait là-dedans. Et nous constatons, c'est 6h, alors c'est 10h ou 6h du soir. Ou pas craindre que c'est sécurité, mais c'est le père qui fait ou faire. C'est pas sécurité, n'a pas c'est votre mettre en sécurité. Qui ça a gagné? C'est pour justifier le visage, moun yap kidnappé yo. Parce que si y'en a un autre carnaval la fait vraiment vrai, moun bradi, ok, problème de sécurité, m'a pas allé. Yo bon avant goût pour vini, pour yon ka kidnappé yo. Son façon yo tout vini, pote tout vini, machin se kayou. Marche à ce caillou, c'est ça, tu vini, peut-être tu vini. Parce que ce petit carnaval là, pas de bagages. C'est yo haïtien, yo ce caillou. C'est ce petit carnaval là. C'est ça, première dame de Michel dit. Je dis à m'bagé peur pour m'peur. Moi dis, haïtien, sous cadre de Saint-Noël, bon boché, pas négligé. Bah, n'est-ce que ça a mérité.